Bonjour, c'est Karine de BIS, le Management Bienveillant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le Management Bienveillant est un antidote au mal-être au travail. Mais avant ça, cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez rester informé de toutes nos sorties de vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Vous avez sans aucun doute entendu parler du burn out et peut-être aussi du bore out. Eh bien, sachez qu'il y a une nouvelle maladie euh, du mal-être, on peut dire ça comme ça, euh, du mal-être au travail, qui pointe le bout de son nez. Il s'agit du brown out. Alors, si on fait un petit tour sur euh, ces trois éléments-là, voilà ce que ça donne. Le burn-out, c'est quand un travailleur en arrive à un état d'épuisement physique, mental et émotionnel euh, qui euh, l'amène finalement à le à, le, à le cramer littéralement et qui l'empêche de faire autre chose que de se reposer. Alors le second, le bore-out, eh bien c'est... C'est un état de dépression et d'abattement qui, qui, qui fonde en fait sur les travailleurs qui se sont retrouvés en sous-charge de travail, ou bien mis au placard, euh, rendus inutiles d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ils en deviennent aussi incapables d'assurer leur travail. Alors, le troisième, le brownout, qui, euh, qui commence à se répandre dans, dans le milieu du travail, eh bien, on peut dire que c'est une attitude de désengagement professionnel. Extrême et totale, qui est due à une complète perte de sens, euh, perte de sens au travail pour la personne qui est concernée. Et résultat, en fait, c'est qu'elle elle se moque de la qualité de son travail et elle, elle démissionne euh, mentalement de son poste. Alors, contrairement au, au burn-out et au bore qui aboutissent à un clash physique pour, euh, pour la personne, le brown-out, en fait, bah, c'est un peu comme si la personne se mettait une espèce de coque de protection autour d'elle et ça va lui permettre quelque part d'éviter les, les conséquences physiques extrêmes. Mais le résultat pour la vie professionnelle, c'est la même. Hein. C'est une, une, une énorme altération de la présence au travail, de toute manière. Et c'est aussi du mal-être pour les personnes et de la contre-performance. Pour, euh, pour les entreprises qui sont euh, concernées. Donc, dans les trois cas, burn-out, ou brown-out, ça parle bien d'une perte abyssale du sens du travail. Et les réactions sont différentes en fonction des personnes. Mais finalement, si on y pense bien, le nœud du problème, eh bien, il se trouve bien là quand même. Hein. C'est bien une perte de sens. Alors, si on regarde un peu les différentes études et recherches qui ont eu lieu ces cinq dernières années, le nombre de personnes en burn-out, bore-out, out même si les dernières sont moins visibles, eh bien, est en constante augmentation. Et euh, ce mouvement ne montre pas de signe d'essoufflement, au contraire, hein, on est plutôt sur une pente ascendante. Et évidemment, avec toutes les conséquences qu'on imagine sur la vie des entreprises. Autre chose également, c'est qu'on a vu qu'avec l'arrivée des millennials, millennials ce sont les personnes de moins de 40 ans euh, qui, a, qui arrivent maintenant, enfin qui sont maintenant, et pour les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail, eh bien, cette arrivée-là a été déterminante pour l'augmentation des brown-out. Donc, ça aussi, c'est voilà, vraiment une information intéressante. En fait, ce qui se passe, c'est que cette génération-là n'accepte pas de s'investir sans trouver du sens et du plaisir à sa vie professionnelle. La seule façon qu'on a trouvée pour démonter ce phénomène de mal-être au travail, eh c'est de changer drastiquement le mode de management. En fait, ce sera, ça va être de passer d'un mode vertical à un mode horizontal, donc avec moins d'hierarchie, de donner du sens et des valeurs au travail fourni, fondamental ça, favoriser la collaboration et la coopération, de permettre l'autonomie au travail et aussi, important, de favoriser la créativité au travail. Et évidemment, tout ça, ce n'est possible que si on développe une communication humaine et bienveillante, une intelligence relationnelle omniprésente et une intelligence collective puissante. Bref, tout ce qui fonde le management bienveillant. Donc, s'il en fallait, voilà encore un faisceau de raisons supplémentaires pour vous mettre vous aussi au management bienveillant. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et puis partager, commenter et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur BIS.